Tasya kalya na gunar na vasya vande guru shri charanar vinda mahaprabhu kirtanandi cha gita vaditra madhyan manasurasena mahaprabhu kirtanandi cha gita Romancha kampa sutaranga bajo vande guru si charanaravinda mancha kampa sutaranga bajo Rathana Nityanana Shringaratan Mandira Marjanada Shivigraha Rathana Nityanana Shringaratan Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shtani Unjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda Yuktasya Bhaktam Shtani Unjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda Chaturvidha Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Tritan Hari Bhakta Sankham Chaturvidha Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Tritan Hari Bhakta Sankham Shri Chaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Shri Chaiva Triptim Charanaravindam Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Guna Rupa Namam Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Guna Rupa Namam Ratikshana Svadana Lulupasya Vande Guru Shri Charanaravindam Ratikshana Svadana Lulupasya Vande Guru Shri Charanaravindam Nikunjayuno Ratikeli Sikhar Yayali Bhir Yuktira Pekshaniya Nikunja Yuno Rati Kesita Yayali Bhir Yuktira Pekshaniya Tatrati Dakshat Ati Valabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda Tatrati Daksha Tati Valabhasya Vande Guru Shri Charanaravindam Satshatadite Nasamastra Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Satshatadite Nasamastra Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanaravindam Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya
Indam yasya prasadat bhagavat prasada yasya prasada nagati kutopi yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada nagati kutopi jayastu vam stasyaya shastri santyam vande guru si charanarabindam jayastu vam stasyaya shastri santyam vande guru si charanarabindam vande guru si charanarabindam vande guru si Charanara Bindam. Nam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srinate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadishatarine Namaste Sarasvati Devi Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Sabi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sabi Hare Krishna Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Shishi Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadathara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shimati Supadra Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatru Nayodhya Dhamma Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Sarasvati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Tut Glavo Deva Samle Hare Krishna Jai Ratha Madhava Kunja Vihari Jai Ratha Kunja Bihari Jai Ratha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Girivara Dhari Gopi jana vala pa girivara thari Yasoda nandana vraja jana ranjana Yasoda nandana vraja jana ranjana Yasoda nandana braja jana ranjana Yasoda nandana braja jana ranjana Jamuna tira vanachadi Jamuna tira vanachadi Jamuna tira vanachadi Jamuna tira Jai Ratha Madhava Kunja Bihari Jai Ratha Madhava Kunja Bihari Jai Ratha Madhava Kunja Bihari Jai Ratha Madhava Gopi jana vala pa girivara thari Jaya Gopi jana vala Gopi jana vala pa girivara thari Gopi jana vala
Girivarata Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Mathava Kunja Bihari Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Ratha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Patitanam avanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama om vishnu padaya krishna prestaya bhutale shrimate bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. En fait, chaque fois, quand on a cette possibilité d'étudier Srimad Bhagavatam, nous pouvons être conscients que nous avons avancé au moins un millimètre dans la conscience Krishna. Même si on fait ça d'une façon mécanique, celui qui se trouve dans l'ambiance de Srimad Bhagavatam, il va progresser automatiquement. Bien sûr que celui qui est plus attentif et désireux pour écouter Srimad Bhagavatam, il va avancer beaucoup plus rapidement et plus profondément. Mais Srimad Bhagavatam,
c'est un médicament pour Kali Yuga. Dans Srimad Bhagavatam, il est écrit que quand Krishna est le soleil, Krishna est couché, donc un autre soleil, Srimad Bhagavatam, est levé. Donc, ça veut dire que quand Krishna est parti, il n'a pas laissé ce monde dans les ténèbres. Il a laissé après lui Srimad Bhagavatam, qui contient les divertissements transcendentaux du Seigneur suprême, Sri Krishna. Et celui qui étudie Srimad Bhagavatam avec beaucoup de patience, beaucoup de foi, très rapidement, il développe un goût et par la suite un attachement et par la suite une attraction vers Sri Krishna. C'est un processus inévitable. Mais pour les êtres vivants, c'est très compliqué d'écouter quelque chose, surtout chez Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce que l'être humain aime en général l'être vivant, même les chiens, les chats, ils sont pareils. Ils aiment bien quand quelque chose excite les sens. C'est ce qu'ils appellent le plaisir. Donc, Srimad Bhagavatam n'excite pas les sens. Le contraire, Srimad Bhagavatam calme les sens. C'est pour ça que les gens qui sont habitués pour l'excitation des sens, comme fumer, boire alcool, etc., etc., ils n'arrivent pas, en fait, prendre plaisir ils n'arrivent pas à prendre le plaisir de Srimad Bhagavatam, parce que Srimad Bhagavatam fait un effet contraire. Hein, et pour cela, en fait, ils n'arrivent même pas à écouter 5 minutes. Si vous avez remarqué, les fumeurs, par exemple, quand ils viennent dans une conférence de Srimad Bhagavatam, préalablement, ils fument sur le trottoir une cigarette avant d'entrer pour pouvoir rester un peu plus ici. Et puis, quand ils rentrent, avec un peu d'odeur, ils restent, et le moment d'allumer la cigarette suivante, ils n'écoutent plus. Il n'écoute plus parce qu'il y a une inquiétude, il y a une perturbation de son être, il n'arrive plus à écouter. Mais celui-là qui a abandonné, en fait, la vie matérielle, il peut écouter Srimad Bhagavatam. Quand est-ce qu'on abandonne la vie matérielle, hein? Je ne vous dis pas que sadhana bhakti, c'est abandonner la vie matérielle ou le monde matériel. Mais pendant sadhana bhakti, pendant la pratique, nous pouvons abandonner ce monde matériel. Le problème, c'est que souvent, dans la pratique de la conscience Krishna, nous le faisons pour trouver la même chose, mais dans une version supérieure. Par exemple, j'ai de l'argent, mais pas assez. Donc, je commence à pratiquer sadhana bhakti pour en avoir plus d'argent. Mais le problème, c'est que nous tombons dans un piège. Dans un piège parce que en pratiquant sadhana bhakti, on a un contact avec Srimad Bhagavatam. On a un contact avec le Saint-Nom, on a un contact avec les dévots, avec Guru, avec Murti, avec Prasad, avec le Tama, le lieu saint, etc. Et automatiquement, nous perdons certaines choses. Krishna est appelé Hari. Hari veut dire celui qui vole. Donc, le mot Hari, directement traduit, ça veut dire voler.
dans voler, enlever, prendre, voler. Pas voler comme un oiseau, mais voler. Et dans l'impératif. Hari veut dire voler en impératif. Quand tu dis à quelqu'un voler, voler. Vol. Vol, oui, vol, vol. Ou pluriel, voler, vol. Et quand les suiveurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu chantaient Hari, 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 criaient dans la rue, tout le monde vérifiait ses poches. Et c'est ça. Et en fait, Hari, c'est le voleur, autrement dit. Mais pourquoi Hari est un voleur? En fait, à partir du moment quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et nous engageons dans Sadhana Bhakti, Hari, Seigneur Hari, il vole nos péchés. Mais il comprend français, Prabhu. Non? Ah, okay. Non. Okay. Donc, pendant notre pratique sadhana bhakti, Krishna vole, en fait, ou enlève nos péchés. Comment ça se passe? C'est que, en fait, quand on fait sadhana bhakti, nous suivons les règles et prescriptions. Et quand on suit les règles et prescriptions, on arrête de faire des péchés. C'est comme ça qu'en fait, Krishna, pendant notre sadhana bhakti, il enlève nos péchés. Après, quand on va dans Bhava Bhakti, pendant Bhava Bhakti, Krishna nous enlève nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'un Bhavuka Bhakta, il a des émotions, en fait, toujours pleines d'ananda, de félicité. Et en fait, quoi qu'il se passe, il regarde avec le même œil et en fait, chaque fois, il sait qu'en fait, tout ça, c'est l'arrangement de Krishna. Et pour ça, en fait, il n'a plus de souffrance. Même quand il souffre, par exemple, corporellement, il ne souffre pas. Parce que en souffrant, il reçoit, en même temps, il reçoit l'ananda, la félicité. Et quand Krishna, quand le dévot devient un sans Krishna Prema, l'amour pour Krishna, Krishna lui vole le cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur volé? En fait, celui qui a volé votre cœur, il devient le possesseur de ce cœur. Vous devenez sa propriété. Vous ne pouvez plus aimer quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Krishna vole notre cœur et nous devenons sa propriété. Donc, nous continuons notre épisode où nous avons lu. Je crois qu'on a lu quand elle part avec lui, mais on n'a pas lu le. Je crois qu'on a lu juste le 34, non? Ah, oui, donc, oui, oui. On n'a pas lu la province. Donc, oui, le Srimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre, les versets 35-36. Tatra chandra vasanama tamra parniva dotaka tat punya salilair nityam upayat. Tratmano mrijan kandashti pirmula palai pushpa parnais trino dakai vartamana shanair gatra karshanam tapa asthitam.
Traduction. Dans la province de Kulachala, coulaient les rivières Chandravasa, Tamraparni et Vartodaka. Le roi Malayadvaja avait pour habitude de se rendre à ces rivières de haute vertu et de s'y baigner régulièrement. Il se purifia ainsi tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Se baignant régulièrement dans leurs eaux, il se nourrissait de bulbes, de graines, de feuilles, de fleurs, de racines, de fruits, ainsi que d'herbes, et il s'abreuvait d'eau. À force d'accomplir ses rudes austérités, son corps finit par s'amaigrir. Teneur est portée par Shiva Prabhupada. Nous pouvons clairement constater que celui qui désire progresser dans la conscience de Krishna doit surveiller son poids. En effet, on peut supposer que celui qui prend de l'embonpoint ne progresse pas spirituellement. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur réprimandait sévèrement ceux de ses disciples qui étaient grassouillés. Comprenons par là que celui qui souhaite progresser dans la conscience de Krishna ne doit pas trop manger. Autrefois, les bhaktas se rendaient en pèlerinage dans les forêts et les montagnes, mais de nos jours, ces rudes austérités ne sont plus guère possibles. Néanmoins, un bhakta ne doit se nourrir que de prasada et n'en absorber que la quantité nécessaire au bon fonctionnement de son corps. Le calendrier Vaishnava prescrit de nombreux jours de jeûne, comme les Kadashi, et les jours commémorant l'avènement et la disparition de Dieu et de ses dévots. Ces jours sont tous destinés à réduire la quantité de graisse dans le corps, nous permettant ainsi de ne pas dormir plus qu'il n'est nécessaire et de ne pas devenir oisif ou paresseux. En mangeant plus qu'il ne faut, l'homme dort plus qu'il n'est requis. L'homme, la forme humaine, est faite pour l'austérité et celle-ci est synonyme de maîtrise des désirs charnels, alimentaires et autres. Le temps ainsi économisé sert alors à accomplir... Le temps ainsi économisé sert alors à l'accomplissement d'activités spirituelles qui ont pour effet de nous purifier aussi bien extérieurement qu'intérieurement. C'est ainsi que le corps et le mental peuvent être purifiés. Hare Krishna. Donc, vous avez entendu de la bouche de Srila Prabhupada, pas de ma bouche. Parce que souvent, quand on fait une remarque aux dévots, ils pensent que nous exagérons ou c'est offensif de dire quelque chose. Mais vous voyez que les autorités comme Srila Prabhupada, comme Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ils disent directement qu'en fait, quand on prend plus de poids, en fait, ça veut dire que nous progressons plus dans la conscience Krishna. Pourquoi? Parce que un surpoids, c'est un tamas accumulé dans le corps. Ainsi que le surpoids montre que chez nous, il y a des choses qui ne vont pas dans la vie spirituelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas satisfaits dans notre vie spirituelle. Pour cela, nous cherchons à nous satisfaire d'une façon matérielle ou corporelle. Et c'est pour ça que nous mangeons. Souvent, les gens qui s'énervent ou qui ne sont pas satisfaits, ils ouvrent le frigo ou un paquet de bonbons, quelque chose pour avoir un goût. Ça veut dire pour avoir une excitation. En fait, tous les livres sacrés, de la même façon, disent que nous ne sommes pas ce corps. Sauf les shastras matérialistes. Mais tous les livres sacrés disent que nous ne sommes pas ce corps. Mais nous n'arriverons pas à réaliser cette chose ou ce concept aussi important. Pourquoi, vous savez? Parce qu'on veut être ce corps. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas ce concept. Parce qu'être le corps, en fait, c'est de posséder la source de plaisir. Parce que tout ce que l'on appelle plaisir dans ce monde matériel, lié à ce corps, fumer, manger,
dormir, entrer dans la relation sexuelle, avoir la la gloire, la position, la force, etc., etc. Tout ça, c'est lié à corps matériel. Et automatiquement, quand on veut être glorieux, on veut être le jouisseur, quand on veut être, je ne sais pas, etc., etc., cela veut dire directement que je veux être un corps. Okay? C'est indirect. Donc, je ne veux pas être une âme. Pourquoi ? Parce que si je réalise que je suis une âme, je vais être obligé d'abandonner mes plaisirs. Donc, être une âme, ce n'est pas quelque chose de bon. Hein? Donc, mieux rester un corps. Hein? C'est pour ça que nous ne comprenons pas que dans ce monde matériel, quand on s'abandonne à Krishna et on accepte toutes les circonstances que Krishna nous offre, on doit les comprendre comme une opportunité, un cadeau, une miséricorde spéciale de Krishna. Souvent, nous pensons que dans la vie, dans ce monde, la santé est la chose la plus importante. N'est-ce pas ? Tout le monde est convaincu. Et chaque fois, quand il y a, je sais pas, la fête de Nouvel An, etc., on dit, je te souhaite ceci et cela, mais surtout, bonne santé, etc. Donc, quand on souhaite quelque chose, on veut dire que je te souhaite le plus grand malheur dans ce monde. Peut-être vous allez me dire, mais cet homme, ça ne va pas, il ne comprend pas la valeur de santé, parce que la santé est hyper, hyper importante. La santé ou la maladie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pour celui qui est conscient de Krishna, celui qui s'est abandonné à Krishna, il n'y a aucune différence. Mais ne pensez pas que quand on met la différence entre maladie et santé, et on veut, en restant sur ce concept, continuer à avancer dans la vie spirituelle, ça sera possible, ce sera impossible. Justement, nous devons, en s'abandonnant à Krishna, arriver à ce concept qu'il n'y a aucune différence entre la santé et la maladie, entre l'hiver et l'été, entre, je ne sais pas, tremblement de terre et la guerre. Il n'y a aucune différence, parce que tout cela, hein, est différent jusqu'au moment où ça existe. Mais quand ça disparaît, ça le rend égal. Hein. Comme quand un ministre est mort et un employé de SNCF est mort, il n'y a aucune différence entre eux. Les deux sont jetés, n'est-ce pas? Qui garde? Personne. Parce qu'ils ne sont plus utiles. Pourquoi? Parce que le corps a une valeur jusqu'au moment où l'âme est dedans. Dès que l'âme quitte le corps n'a aucune valeur. Mais, qu'est-ce qui est le plus valeureux, hein, dans un corps qui est animé par une âme? Ce qui a le plus de valeur, c'est la relation de cette personne avec Seigneur Suprême, avec Sri Krishna. Quand nous avons cette relation avec Krishna, hein, Krishna commence à nous guider dans la vie spirituelle. Et là, en fait, tout cela commence à se réaliser et nous voyons qu'il n'y a aucune différence. Pas seulement entre la santé, maladie, l'hiver et printemps, etc. Mais ainsi, il n'y a pas de différence combien de temps nous avons vécu. 30 ans, 50 ans, 150 ans. Parce que la mort arrive et ça s'égalise. Vous comprenez ? Nous pensons que, oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais quand j'ai mal dans mon genou, par exemple,
c'est fini. Je peux ni chanter, ni dormir, etc. etc. Pourquoi? Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous sommes très attachés à ce corps. Nous avons peur de le perdre. Pourquoi on a peur de le perdre? Parce que ce corps nous apporte les plaisirs, le plaisir des sens. C'est pour ça qu'on est attaché à ce corps. Mais quand on est malade, c'est encore plus avantageux parce qu'on est moins attaché. On veut se débarrasser de ce corps. C'est pour ça que Srimad Bhagavatam et des autres Puranas, ils disent que pour un Vaishnava, la vieillesse, c'est la meilleure chose. C'est drôle, non? Mais si les écrits sacrés disent ça, ils ne sont pas stupides, ils comprennent quelque chose. Ils disent que la vieillesse, c'est le meilleur moment de la vie pour complètement s'abandonner à Seigneur Suprême. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos sens deviennent plus faibles, donc ils sont moins excités. Et ils sont moins partants à aller dans des endroits de gratification des sens. Ils sont plus fatigués, ils ont moins d'énergie pour ces bêtises. Les maladies nous ne permettent pas de manger grand-chose, donc automatiquement on réduit notre... Donc on commence à maigrir, c'est très bien. Vous voyez, dans ce verset, Narada Muni explique que roi Malayadvaja, consciemment, est allé dans un lieu austère. Consciemment, il a réduit sa nourriture. Il se nourrissait de ce qu'il trouvait dans la nature. En fait, dans les endroits comme ça, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Quelques racines comestibles, des graines, des herbes sauvages, vous voyez, des feuilles, vraiment rien du tout. Des fois même, en fait, les ermites mangeaient de la terre, de l'argile. Vous imaginez à quel point c'est difficile. Et en fait, si vous étiez attentif, Narada Muni disait que roi Malayadvaja, il se nettoyait avec l'eau et de l'extérieur et de l'intérieur. Okay? En fait, pourquoi il se nettoyait de l'intérieur avec l'eau? En fait, vous savez qu'il y a deux façons de nettoyer le corps de l'intérieur. C'est Shank Prakshalana, c'est quand vous buvez l'eau et vous faites des exercices, et l'eau commence à descendre dans l'intestin grêle, et après dans le gros intestin, et ça sort. Donc, vous faites plusieurs fois, en fait, ça passe en transit, l'eau passe comme ça. Et aussi, il y a un autre type de nettoyage de corps, de l'intérieur, c'est quand on nettoie le colon gros ou gros colon Gros intestin avec un boc à lavement. À cette époque-là, il n'y avait pas de boc à lavement, on utilisait les courges. Vous savez, les courges, longues courges comme ça, qui étaient creux à l'intérieur, ça séchait, et on faisait le trou dans le bec, et on utilisait comme un boc à lavement. Donc, en fait, cela permettait en fait, de se débarrasser de restes de la nourriture qui est resté accumulé dans l'intestin depuis des années, des années, des années. Vous savez que chaque année, il y a un petit stockage des choses dans notre intestin. Et en fait, cette façon de nettoyer, c'est pas mal. Mais en fait, comme Narada Muni explique, en faisant toutes ces austérités, il a bien maigri. Le poids de squelette d'un homme moyen et entre 28 et 30 kilos. Okay? Le poids d'un squelette d'un homme moyen, c'est entre 28 et 30 kilos à peu près. Donc vous pouvez supposer qu'en fait, il pesait maximum 40 kilos. Vous imaginez? C'est pas facile. Mais
quel était l'avantage en fait de cela? C'est que on tuait la chair. Hein? C'est pas seulement chez les Vaishnavas que cela était pratiqué. Même dans la tradition des chrétiennes, il y avait cette pratique. Les chrétiennes aussi pratiquaient tuer la chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chair contient beaucoup de rajas. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna lui pose la question pourquoi, même en sachant que cette chose est mauvaise, et pourtant, même en étant conscience que c'est mauvais de le faire, nous le faisons. Quelle est la cause, pourquoi nous faisons? Et Krishna dit, ça c'est la cause, c'est la concupiscence, l'ennemi éternel de l'homme. En fait, cet ennemi éternel se trouve dans notre chair. Hein. Au départ, il est programmé par nos parents. Quand les parents rentrent dans une relation sexuelle, hein, pour se faire plaisir, mais pas pour avoir un enfant, juste pour se faire plaisir, en fait, ils transmettent à leur futur enfant, transmettent une bonne dose de rajas avec le plaisir sexuel. Et par la suite, le rajas est accumulé par l'homme même, en mangeant des choses rajasiques, en écoutant des choses rajasiques, en faisant des choses rajasiques, on accumule, et en fait, tout cela s'enregistre dans notre chair. Notre chair est composée des cellules. Et en fait, ces cellules aussi, ils ont une mémoire, donc ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. En fait, cette mémoire cellulaire, nous pouvons ou maintenir ou nous pouvons faire partir. Par exemple, si je pèse 80 kilos, okay, dans ces 80 kilos de chair, il y a une certaine quantité de mémoire enregistrée, mémoire cellulaire enregistrée. Okay. Si de 80 kilos, je descends à 50, donc une grande partie de cette mémoire cellulaire est effacée. Vous imaginez? Mais aussi, à travers la méditation, à travers le chant de Hare Krishna Mahamantra, à travers l'écoute et lecture de Srimad Bhagavatam, nous faisons partir aussi une grande quantité en fait de rajas et de tamas, bien sûr, de notre intellect. Donc, pour cette raison, en fait, les pratiquants de Bhakti Yoga ou les grands sages, ils faisaient ces austérités. Les austérités, ce n'est pas pour la santé. Ou, si vous voulez, l'austérité est pour la santé spirituelle. C'est nous pouvons écouter tout cela, nous pouvons écouter Srimad Bhagavatam et penser que oui, mais ça c'est pour les âmes très élevées, comme, je ne sais pas, Prahlad Maharaj, comme Malayadvaja, comme, je ne sais, Parikshit ou autre. Ce n'est pas pour nous. Si, c'est pour nous. C'est pour nous. À quel point on va réussir, ce n'est pas ça qui compte. Mais à quel point nous faisons des efforts, ça compte. Vous comprenez? Par exemple, il pouvait atteindre 40 kilos... Malayadvaja Maharaj pouvait atteindre 40 kilos de poids. Moi, en faisant l'austérité, je perds 3 kilos. C'est très bien. Ça veut dire j'ai fait un effort, j'ai réussi. À partir du moment quand je vais arrêter faire des efforts, je commence à tomber.
Vous comprenez? En fait, nous progressons dans la conscience Krishna, pas par les résultats, mais par les efforts. Nous chantons Hare Krishna, Hare Krishna, et on regarde, il n'y a rien qui se passe. On dit, mais regarde, dans Chaitanya Charitamrita, des dévots chantaient Hare Krishna, ils roulaient par terre, les larmes coulaient, mouillaient leurs vêtements, les poils se dressaient, etc. Moi aussi, je veux. Pourquoi? Parce qu'on veut la gratification des sens. C'est pour ça qu'on veut les extases. Pour nous, les extases, c'est une forme de gratification des sens. Non. Même si on ne sent rien, nous devons continuer à chanter. Ça, c'est un effort. Et justement, cet effort qui nous fait avancer. Vous comprenez? Ces efforts, on doit faire sur les plateformes de tous nos sens. Hein? Sous nos sens visuels, audio, vidéo. Hein? Vidéo, etc. Hein? Sur les plateformes de notre main, jambes, les génitaux, nous devons occuper tous nos sens et faire les efforts en fait pour les contrôler. Un sens qui n'est pas contrôlé va nous mettre dans le puits de l'existence matérielle. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est que un sens qui n'est pas contrôlé, il s'en va comme un bateau qui n'est pas attaché au bord de la mer. Vous avez vu comment en fait le bateau est au bord de la mer, mais il n'est pas attaché. Petit à petit, même si ce n'est pas des grandes vagues, vous voyez, c'est des petites vagues comme ça, tic, tic, et petit à petit, cette barque ou ce bateau, petit à petit, s'en va comme ça. Vous voyez, et après, c'est très, très loin et vous ne pouvez plus l'attraper. Donc, pour ça, nous ne devons pas penser comme ça. Bon, je ne suis pas un grand dévot, ok, je vais chanter Hare Krishna, mais je ne vais pas faire un Ekadashi. Ou je ne sais pas, je ne vais pas réduire mon repas, ou je ne vais pas écouter une heure et demie Srimad Bhagavatam, etc. On doit faire l'effort, tant qu'on peut. Mais si nos capacités sont réduites, il ne faut pas qu'on dise, c'est ça mes capacités, c'est tout. Non, on doit toujours faire un effort. Même si ces efforts nous amènent toujours le même résultat, ce n'est pas grave. On doit continuer à faire les mêmes efforts. Tant qu'on peut, on doit continuer. Vous voyez? Et vous dites, mais c'est inutile parce que j'arrive toujours au même résultat. Ce n'est pas grave, parce que Krishna ne regarde pas nos résultats. Krishna regarde nos efforts. À quel point nous faisons? Parce que bhakti vient quand on a le désir d'avoir un bhakti. Okay? Et c'est ce désir qui fait faire des efforts. Quand est-ce que nous faisons des efforts? Pourquoi nous faisons des efforts? Nous faisons des efforts pour quelque chose qui est désiré. Pour quelque chose qui n'est pas désiré, nous ne ferons jamais des efforts, n'est-ce pas? Nous faisons des efforts parce qu'on désire cette chose. Et c'est pour ça que Krishna regarde en fait à quel point on veut. Hein? Et le résultat de nos désirs, c'est nos efforts. Et c'est Krishna regarde sur nos efforts. Hein? Okay. Si on chante attentivement ou pas attentivement, ça dépend, c'est pas ces résultats qui sont comptés. Mais à quel point on veut chanter attentivement? À quel point on veut chanter de telle façon pour que ça plaît à Shri Krishna? Donc, roi Malayadvaja, c'est écrit, il buvait de l'eau. Donc, on veut dire, mais tout le monde boit l'eau. Mais ici, c'est boire l'eau a un autre sens aussi, c'est qu'il ne buvait que de l'eau. Et, en fait, l'eau, a une capacité de purifier le corps. Et l'eau peut
passer ou pour un liquide, mais aussi l'eau peut passer pour une nourriture. Parce que nous pouvons boire l'eau et on peut manger l'eau. Il y a deux façons de consommer l'eau. Vous n'avez jamais essayé. Vous pouvez essayer. En fait, vous prenez un gorgée d'eau, vous mâchez et vous avalez, ça va être comme une nourriture dure. Mais si vous buvez comme ça l'eau, ça passe pour une liquide. Ce n'est pas la même façon de consommer l'eau. Et en fait, il savait comment boire l'eau pour que cette eau soit purifiante. Okay? Donc, pourquoi aller dans un lieu solitaire? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait, on appelle vanaprastha. Hein? Quand on s'éloigne, de la société. Pourquoi on a besoin de s'éloigner de la société? Parce que pour approfondir notre bhajan, pour rentrer en fait dans une profonde méditation sur Krishna, nous avons besoin de cette isolement. On a besoin de cet isolement. Parce que chaque fois que quelqu'un arrive, il dit, bon, il y a la lettre de syndic qui est arrivée, il y a ceci, l'assurance de voiture est finie, je ne sais pas, le Covid arrive, etc., etc. Donc, ça nous déconcentre complètement. Et on peut dire, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne se retire pas tout de suite dans un lieu solitaire? Pourquoi? Parce que notre foi est faible. Nous pouvons se retirer dans un lieu solitaire et continuer à pratiquer conscience Krishna quand notre foi est forte et déterminée. Tant qu'on n'est pas, aussi déterminé, nous pouvons y aller et ce disconfort, en fait, vous voyez, le froid, le soleil, les insectes, la faim et tout cela, la soif, tout cela va perturber notre conscience Krishna et on veut tout de suite, il y a toujours l'idée qui commence courir dans notre tête. Mais pourquoi je suis venu ici? C'était bien là-bas. Il y avait un bon lit. Il y avait prasad. Il y avait ceci, cela. Pourquoi j'ai abandonné? C'était aussi bien. Ah, zut, peut-être il faut retourner, demander pardon à tout le monde et dire excusez-moi, c'était prématuré que je suis parti, etc. etc. En fait, ça veut dire qu'on a fait quelque chose brusque, prématuré, brusque. Mais quand on arrive progressivement dans cette phase et on se retrouve par la suite dans un lieu solitaire, dans un lieu isolé, ce genre de regret ne se manifeste plus. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit oh Arjun, tu dois apprendre tolérer. Il y avait un autre mot surmonter. Ouais. Tu dois apprendre oh Arjuna, tu dois apprendre à surmonter la chaleur, la famine, la fatigue, etc. et tout le prendre au même degré. Et peu importe. Et après, Krishna dit, dans toutes les circonstances, tu dois rester un yogi. Qu'est-ce que ça veut dire rester un yogi dans ce verset? Ça veut dire que tu dois rester en lien avec moi. C'est pas comme ça. T'es malade, donc c'est bon.
tu oublies Krishna, tu dis, bon, là pour l'instant je ne vais pas aller à yoga lyrique parce que je suis malade ou j'ai un problème, donc je vais m'occuper de problèmes. Mais Krishna dit, c'est moi qui dois m'occuper de tes problèmes. Je te propose un contrat extraordinaire dans le 18e chapitre. Il dit, c'est le meilleur contrat. Il dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Je vais m'occuper de fruits de tes actes pécheurs. Il dit, c'est un contrat super. Personne ne propose ce genre de contrat. Non? Pourquoi? Parce que personne n'est capable d'assumer. Seule personne qui peut assumer ce contrat, c'est Krishna. Et il nous propose dans la Bhagavad Gita, il dit, ok, j'ai déjà signé. On dit, bah, écoute, j'aime bien me torturer, j'aime bien souffrir, c'est tellement agréable. Tu restes et tu souffres, oh, c'est tellement bien. J'aime bien rester avec mes problèmes, j'aime bien résoudre mes problèmes. Et quand le problème est résolu, je dis, waouh, ça c'est cool. Nous ressemblons à quelqu'un qui, il y avait une anecdote qui se faisait plaisir d'une façon assez drôle, et il achetait toujours les chaussures de 41, pointure 41. Et un jour, ses amis ont remarqué ça, ils ont dit, mais pourquoi tu achètes toujours 41 si ta pointure est 43? Il dit, c'est pour le plaisir. Imaginez, vous partez avec 41 au travail et vous souffrez toute la journée, et après quand vous revenez, vous désenlevez. Ça fait plaisir. Donc, ça, c'est un plaisir dans le tamas. En fait, ce que nous faisons, par les désirs artificiels, nous rentrons dans des situations où on commence à souffrir pour rien du tout. Okay? Et à la place de les abandonner, ces souffrances, nous préférons de les garder. Vous pouvez dire, mais il n'y a personne qui veut garder ces souffrances. Si, parce que, en fait, ne confondez pas les douleurs et les souffrances. La douleur, c'est une autre chose. La souffrance, c'est une autre chose. La douleur, c'est un phénomène naturel malgré notre volonté. Ça, c'est la douleur. Mais la souffrance, c'est notre choix. Par exemple, j'ai mal à la tête. Ça, c'est un phénomène naturel. OK? Le mot, c'est un phénomène naturel. Et après, je souffre ou pas, c'est mon choix. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est difficile à comprendre. Parce que, en fait, la souffrance, c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'on préfère souffrir que s'abandonner à Krishna. Pourquoi? Parce que si on s'abandonne à Krishna, Krishna va être au centre de mon attention. Et je ne peux plus mettre sur l'Instagram mes vidéos. Vous avez vu les filles? Ils font des trucs comme ça. C'est moi. Et donc, ils doivent changer en fait cette image et mettre Krishna. Ça ne va pas. Je veux que c'est moi qui soit. C'est moi qui dois être au centre et pas Krishna. Donc, on dit, bon, ce n'est pas grave. Que je reste au centre d'attention, je suis d'accord, souffrir, mais rester au centre d'attention. C'est ça le problème, en fait, que nous n'arrivons pas à résoudre. Donc, le verset 37-38. Du fait de sa
pratique de l'austérité, le corps et le mental du roi malade Vajja devinrent progressivement indifférents aux dualités que sont le chaud et le froid, les joies et les peines, le vent et la pluie, la faim et la soif, les choses agréables et déplaisantes. Ce fut ainsi qu'il put triompher de la relativité sous toutes ses formes. Par l'adoration, la pratique d'austérité et l'observance des principes régulateurs, le roi Maladvaja se rendit maître de ses sens, de son souffle vital et de sa conscience. Il centrait ainsi toutes choses sur le Brahman suprême, Krishna, le centre de tout ce qui est. Merci. Donc, comme vous avez entendu, en fait, ce verset 37, il traduit pratiquement le verset de Bhagavad Gita, où Krishna dit à Arjuna, il faut que tu surmontes la chaleur, le froid. C'est le même verset. En fait, si vous regardez bien les livres sacrés, ils prêchent la même chose. Par leurs racines, ils sont tous les mêmes, les livres sacrés. Soit c'est la Bible, soit c'est le Coran, soit c'est la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Par la racine, ils sont tous les mêmes. Mais, en fait, les fruits définitifs, légèrement, sont différents. Hein? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est personnel. La religion, ou véritable voie spirituelle, est quelque chose de personnel. Nous ne pouvons pas pratiquer la même conscience Krishna. C'est impossible, parce que nous sommes tous différents. Nous ne pouvons pas adorer le même Krishna. Pourquoi ? Parce que Srimad Bhagavatam dit que chaque dévot voit la forme de Krishna dans laquelle il veut voir. Par exemple, à Dvaraka, tous les habitants de Dvaraka ne voient pas Krishna de la même façon. Il y en a qui voient Krishna à deux bras, il y en a qui voient Krishna à quatre bras. Par exemple, imaginez, dans la salle des réunions, Krishna est assis sur le trône, okay? Et c'est le même, mais il est vu par certains à deux bras, et les certains le voient par quatre bras. Ouais? C'est comme ça. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents. Pourquoi ? Il existe des milliers, des millions, des milliers, infiniment de formes de Krishna. La cause, c'est pour ça. Parce que chaque être vivant veut entrer dans un certain type de relation avec Shri Krishna. Pour la même raison, existe aussi le Brahman impersonnel. Pour la même raison, existe Virat Rupa, la forme universelle. Pour la même raison, il existe la forme de Krishna inexistante. Ça, c'est pour les matérialistes. Parce que les matérialistes ne veulent pas que Krishna existe, et c'est pour ça qu'ils disent « Montrez-moi Krishna, s'il existe, montrez-moi !» Mais parce qu'ils ne veulent pas. Et donc Krishna dit « Ok, je vais vous montrer dans cette forme inexistante. » Donc, à la fin de verset 37, Narada Muni explique que roi Malayadvaja a vaincu ce monde de relativité. Ou de dualité. En fait, c'est deux choses liées, dualité ou relativité. Pourquoi ce monde est un monde de dualité ? Parce que la même chose peut être bonne et mauvaise. Pourquoi ? Mais elle ne peut pas être en même temps et bonne et mauvaise. En même temps, simultanément, elle ne peut pas. Tandis que dans le monde spirituel, chaque chose peut être simultanément et bonne et mauvaise en même temps.
Par exemple, Krishna peut manger un prasad qui a fait la grand-mère de Subal, qui est horrible parce qu'elle est une très mauvaise cuisinière. Il prend, il mange, il dit bark, il commence à cracher. Ok, mais en fait, ce prasad est mauvais et très bon en même temps, parce que ce dégoût en fait provoque un ananda, une félicité chez Krishna. Tandis que dans le monde matériel, ou c'est bon ou c'est mauvais. Vous comprenez? Mais celui qui comprend en fait comment ça fonctionne, celui qui est complètement abandonné à Krishna, même en vivant dans le monde matériel, entouré par par des choses qui sont dans la dualité, en fait, il surmonte en fait ce principe de dualité et en fait, il a une attitude égale à chaque chose. Okay? Et quand il arrive à ce niveau-là, donc le monde matériel arrête fonctionner comme monde matériel. Pour lui, il n'y a plus de différence entre le monde spirituel et le monde matériel. Pourquoi? Parce que là où Krishna est, c'est le monde spirituel. Donc Krishna est toujours présent dans le monde matériel pour un dévot pur. Donc il est présent toujours dans le monde spirituel. Souvent, nous pensons que, en fait, tout ça, ce n'est pas encore la vie spirituelle. La vie spirituelle va venir après. Ça, c'est un entraînement. Ça, c'est le pensée de Tamas. Ça. Jagannath, derrière moi, c'est un vrai Jagannath. Ce n'est pas un Jagannath d'entraînement. C'est un vrai. C'est Krishna lui-même qui est venu à Yoga Lyrique. Et parce que ça lui plaît de rester à Yoga Lyrique, il ne part pas. Et chaque fois, quand vous venez ici, vous avez cette possibilité d'avoir un darshan avec Jagannath. Ça, c'est une vraie vie spirituelle. La vraie vie spirituelle est comme ça. Ce n'est pas un entraînement. Mais souvent, nous pensons que ça, c'est un entraînement. La vraie spirituelle va venir, je ne sais pas quand. Elle ne va jamais venir, si on pense comme ça, elle ne va jamais venir. Pourquoi? Parce que c'est la vie spirituelle. Parce qu'on parle de Krishna, on écoute Krishna, on respire les encens, on voit Jagannath, on voit Nitaisachisuta, on lit les commentaires de Prabhupada. Chaque instant est rempli de Krishna. Ça, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas les dhotis ou les saris ou les tilaks, des bindous, etc. La vie spirituelle, c'est Krishna, la présence de Krishna, la présence constante de Krishna. Vous voyez? Et en fait, roi Malayadvaja, il était complètement conscient que Krishna est présent. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, « Je suis le meilleur ami d'un être vivant. Okay? » Qu'est-ce que c'est être un ami? C'est que dans n'importe quelle circonstance, un ami maintient son amitié. Hein? Par exemple, si je fais mon anniversaire et je ne vous invite pas, notre amitié sera foutue. N'est-ce pas? Ou si je prends un samosa et je vais manger seul sans vous donner, notre amitié sera finie, n'est-ce pas? Mais, par exemple, dans Srimad Bhagavatam, Brahmana Sudama, il a mangé le prasad que Guru Mata a donné quand ils sont allés dans la forêt. Brahmana Sudama était l'ami de Krishna à l'école de Sandipani Muni. Et un soir, le Guru Mata a donné un peu de prasad et il a dit allez vite dans la forêt pour apporter un peu de bois pour cuisiner. Et en fait, ils sont allés tous les deux, je raconte en deux mots. Et puis, ils n'ont pas arrivé de finir vite et c'était tard, il y avait la pluie et chacun est monté sur l'arbre, différents arbres. Et Brahmana Sudama était sur
un arbre et Krishna était sur un autre arbre. Et en fait, le soir, tous les deux avaient faim, mais Krishna ne pouvait pas descendre à aller parce que c'était dangereux. Il restait sur son arbre et le prasad était chez Sudama. Et Sudama dit, bon, je vais juste manger un petit peu pour garder le reste pour Krishna. Il a mangé un petit peu, il a mangé encore un petit peu, et encore un petit peu, et puis il a tout mangé. Et le lendemain matin, Krishna dit, « Ok, donne-moi ma part de prasad, j'ai faim, j'ai tout mangé. » Mais Krishna est resté son ami. Et plus tard, quand Brahmana Sudama dans Dvaraka, il est allé voir Krishna, Krishna ne lui a pas dit, bon, t'es pas mon ami, t'as mangé mon prasad. Il est resté l'ami de Krishna. Regardez combien de vies on ignorait la présence de Krishna. Des millions de vies. On a mangé seul, on a fait tout et n'importe quoi, on était des impersonnalistes, on était des offenseurs de religion, on était tout et n'importe quoi. Mais Krishna nous accompagnait toujours. Même quand on était des vers de terre, il était avec nous. Quand on était des insectes, ou je ne sais pas, des microbes dans l'intestin, il était toujours à côté. Qui sera d'accord aller avec son ami dans l'intestin? Personne, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez, par exemple, si je vais être jugé et je serai emprisonné pour 30 ans, est-ce que quelqu'un veut 30 ans rester dans ma cellule avec moi? Par l'amitié. Personne ne fera, mais Krishna le fait. Hein? Demandez aux prisonniers qui croient en Dieu, ils disent oui, Dieu était avec moi pendant 30 ans. Il a partagé ma cellule pendant 30 ans. Et comme ça, en fait, le roi Malayadvaja, en se retirant dans ce lieu solitaire et isolé, il était convaincu que Krishna est son ami et il est là, il est présent. Il est venu faire l'austérité avec lui. Hein? Parce qu'en fait, quand on commence à faire des austérités, Krishna partage nos austérités. Ne pensez pas que c'est comme ça, hein? Que Krishna dit, ouf, je m'en fiche, va faire tes austérités, laisse-moi tranquille. Non, il vient, il partage tout ça. C'est pour ça que dans Bhagavad Gita, Krishna dit, je suis le meilleur ami d'un être vivant. Ce n'est pas pour dire, tu vois comment je suis, mais il dit la vérité, c'est comme ça. Ok, Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Le reste de l'histoire est aussi très extatique, parce que par la suite, nous voyons que la femme de roi Malayadvaja, qui a en effet été la même personne que roi Puranjana, qui était né comme une femme, mais elle suit, parce qu'elle s'identifie avec son corps féminin, elle suit son mari, et quand elle veut rentrer dans le feu, c'est là où il y a un brahmana qui vient et l'arrête, il ne laisse pas entrer dans le feu. Donc c'est une histoire extatique. Vendredi prochain, on va continuer. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, tu peux donner le micro. Hare Krishna, merci beaucoup pour la conférence. Hare Krishna, tu peux parler plus fort. Oui, vous aviez parlé qu'un dévot doit, par rapport à la grossièreté, et doit manger moins. Parce que... Au poids. Grossièreté, c'est vulgaire. Par rapport à son poids. Par rapport à son poids. Parle plus fort parce qu'on n'entend pas là. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples aussi qui viennent par la tête. Je ne comprends pas très bien. Par exemple, j'ai entendu qu'à Chaipataka Maharaj, Srila Prabhupada avait dit qu'il faut qu'il soit plus gros. Et souvent, les dévots racontent que parce qu'il avait suivi l'instruction de Srila Prabhupada, il était sauvé parce que c'est son poids qui était là, qui a empêché d'être coupé le nerf, et donc il est vivant. Et l'autre aussi, par exemple, je pense à Bhima, c'était
dévot de Krishna, mais il mangeait beaucoup. Après, il y avait l'effort physique à côté, mais quand même, il mangeait beaucoup. Et Madhumanga, là, parce que je ne comprends pas très bien si vous pouvez mettre la lumière dans ces situations. En fait, la forme de corps dans le monde spirituel est complètement différente. C'est pas le, on n'a pas les mêmes critères de corps dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, la forme de corps, le poids de corps est lié à nos actes et aux trois gunas. Tandis que dans le monde spirituel, la forme, le il n'y a pas de poids là-bas, mais les formes, en fait, quand c'est grand ou petit, ou maigre ou large, en fait, ça dépend de rasa. C'est rasa qui définit la forme de corps. Okay? Donc, en fait, la forme a un certain contenu. La forme a un certain contenu. Par exemple, si quelqu'un dans le monde spirituel est plus large, on peut dire comme ça, donc c'est parce que dans ces divertissements, on a besoin qu'il soit large. Par exemple, un des amis de Krishna est large, on peut dire grand, pas grand par la taille, mais comme ça. Large, gros. Okay? Et quand on joue à un jeu, on entre par exemple, on joue, Krishna avec ses amis joue sur la colline de Govardhan et ils doivent passer dans un trou pour entrer dans une grotte. En fait, tout le monde rentre et lui, il rentre et il reste coincé. Et tout le monde commence à rire et ils tirent de ce côté-là, ils n'arrivent pas. Ils tirent de l'autre côté, ils n'arrivent pas. Et en fait, ça fait rire Krishna. Donc en fait, là, en fait, sa forme, etc., est nécessaire pour ce divertissement. Vous comprenez? Par exemple, il y a des corps dans le monde spirituel qui ont des gros nez ou d'un visage qui ressemble à un chat ou à un chien, etc. Et ça, c'est pour une certaine raison, parce que la liaison entre cette personne et Shri Krishna, en fait, nécessite pour ce divertissement cette forme. En fait, c'est rasa, en fait, qui manifeste la forme de corps. Ce qui concerne Jayapataka Maharaj, Shri Prabhupada, d'après ce que je sais, n'a jamais dit à quelqu'un devient gros. D'après ce que je sais, c'est que Jayapataka Maharaj, quand il était jeune, avant la conscience Krishna, il a été agressé par quelqu'un qui lui a mis le couteau, qui l'a poignardé dans le pancréas. En fait, à cause de ce mauvais fonctionnement de pancréas, en fait, il a commencé à avoir de surpoids. Mais je n'ai jamais vu que Srila Prabhupada dit à quelqu'un « tu dois grossir ». On a bien lu dans le Srimad Bhagavatam. Par exemple, certaines personnes, vous pouvez avoir les dévots qui étaient gros dans l'histoire du Vaishnavisme, mais ce n'était pas parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leur sens, mais parce que les circonstances, en fait, leur mettaient dans une austérité. Et en fait, être gros pour eux, c'était une austérité. Par exemple, chez le Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur avait un ventre, il était un peu corpulent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il travaillait comme un juge et il finissait tard son travail. Il rentrait vers 7h30, 8h le soir. Et c'est là où il mangeait. Et tout de suite, il se couchait pour se lever à 2h du matin pour écrire ses livres. Donc, un régime comme ça, c'est très mauvais. Et en fait, cette forme de corps, en fait, c'est à cause de ça. En fait, son surpoids, mais il n'avait pas de choix.
parce qu'il avait la famille, il devait travailler, etc. Et en même temps, il voulait faire ce service, écrire des livres. Et ce n'est pas parce que ce corps lui convenait ou il n'arrivait pas à contrôler sa langue. Et juste en lien avec cette question, la bhakti, moi ce que peut-être je ne comprends pas bien, ne dépend pas de notre de condition matérielle. Le surpoids est lié avec notre condition matérielle, mais comment ça peut empêcher quelque chose de progresser dans la spiritualité alors que ça n'a rien à voir avec la... Par exemple, si tu es une pure dévote qui a surmonté en fait toute la dualité de ce monde, etc., etc., manger, ne pas manger, manger beaucoup ou manger peu, ça sera la même chose. Même si ton corps commence à être décomposé, tes doigts commencent à tomber par terre, tu vas continuer à chanter tes tours, tu vas continuer à faire ton service. Okay? Mais si tu es attaché à ce corps, ça veut dire attaché aux gratifications des sens, n'importe quel changement dans ce corps peut devenir un obstacle pour ton service dévotionnel. Par exemple, si on commence à te critiquer ici, tu ne viendras plus ici. Par exemple, faisons des fois on fait une petite remarque à quelqu'un et dimanche suivant, cette personne n'est plus là. Et pourtant, ce qu'on dit, c'est pour son bien. Mais on ne m'aime pas ici, on me critique ici et la personne ne vient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, les changements dans le corps, on est tellement attaché à ce corps-là que chaque changement provoque en fait un obstacle dans la conscience Krishna. Et ça freine notre service dévotionnel est perturbé. Tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas d'expliquer qu'en fait, on doit faire attention. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, celui qui mange trop ou pas assez ne peut pas être un yogi. Ok? Une fois, il y avait un dévot c'était toi qui a dit, non? On a fait une remarque à un dévot au temple, on a dit, ben, tu manges trop. Il disait, non, c'est vous qui ne mangez pas assez. Vous voyez? Donc, vous voyez comment on peut voir les trucs. Mais pour ne pas rentrer dans cette ambiguïté, en fait, quel est le symptôme qu'on mange beaucoup? C'est qu'après Prasad, si on n'a plus envie de faire un service dévotionnel, ça veut dire qu'on a mangé trop. Hein? Quand après avoir mangé, on oublie notre devoir, on a mangé trop. Quand après avoir mangé, on veut s'endormir tout de suite, on a mangé trop. Quand est-ce qu'on peut comprendre qu'on a mangé pas assez? C'est quand on a mangé, on a fini, et on dit, peut-être dans le frigo, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ça veut dire qu'on n'a pas mangé assez. Celui qui, en fait, a déjà pratiqué une austérité de la langue, en fait, il connaît cette sensation dans l'estomac. Quand il mange, hop, l'estomac fait ting. Vous savez, quand vous mettez en route le comment ça s'appelle, micro-ondes, et après, dès que c'est fini, ça fait ting. Pareil, en fait, l'estomac fait ting. Mais nous, on mange. On parle, on mange, on parle, on mange, et on n'entend pas. Ça fait ting. Et après, encore une fois, ting, 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 ting. Et on fait non, encore. C'est une sensation, en fait. En fait, quand vous mangez vraiment ce qu'il faut, vous vous levez et tout de suite, votre devoir devient
désireux, vous voulez absolument le faire, dire qu'est-ce que je peux faire, vous êtes inspiré, je ne sais pas, vous vous sentez même noble. Mais quand on mange trop, on se sent comme une bête, comme un animal stupide. Comme ça. Il y a une question sur Skype de Georges qui dit, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre connaissance. Quel est le lien entre nourriture et l'homme? Si cette nourriture ne touche pas l'homme, ça empêche à quoi? Je lis tel que. Quel est le lien entre nourriture et l'homme si cette nourriture ne touche pas l'homme? Ça empêche à quoi les nourritures? Je pense que c'était peut-être par rapport à ce qui avait été dit avant. La nourriture, en fait, la nourriture dans le monde matériel et la nourriture dans le monde spirituel ne sont pas exactement la même chose. Parce que l'homme, dans le monde matériel, dépend de la nourriture. Pourquoi? Parce que le monde matériel et l'énergie matérielle créent une dépendance. Vous ne pouvez pas vivre sans manger. Et Srimad Bhagavatam dit qu'un être vivant, dans le monde matériel, vit en mangeant quelqu'un d'autre. En fait, on se mange entre nous. Okay? Mais encore, Srimad Bhagavatam dit que la nourriture de quelqu'un n'est pas forcément la nourriture pour quelqu'un d'autre. Okay? Dans le monde spirituel, la nourriture existe aussi. Mais parce que la nourriture est un être vivant dans le monde spirituel. Hein? Par exemple, un chapati, c'est quelqu'un dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, un chapati, c'est quelque chose. Et ici, c'est je mange pour maintenir mon corps en vie ou avoir plaisir charnel. Tandis que dans le monde spirituel, si je mange en fait un chapati, je rentre en contact spirituel avec ce chapati. En fait, il m'explique des choses, il me raconte des choses à travers ma langue. Je reçois l'information, il me dit que, en fait, Krishna m'aime pas et je suis très triste parce que, en fait, on n'a pas mis assez de sel et Krishna a dit c'est quoi ce chapati sans sel, j'aime pas, etc. Et ce chapati est en train de pleurer. En train de pleurer, ça ne veut pas dire qu'elle pousse des larmes comme dans le dessin animé. Non. En fait, la sensation de pleurer, nous sentons sur la langue qu'en fait, cet être vivant est comme ça. Vous voyez? Tandis que dans le monde matériel, la nourriture est pour deux raisons, ou pour prendre plaisir, ou pour survivre. C'est deux raisons qu'on a. Okay? Nous, bien sûr que aussi, c'est un élément pour le service, pour engager dans le service dévotionnel. Je ne sais pas si c'était ça la question et si Georges est satisfait parce que, en fait, la question n'était pas très claire. Est-ce que ça te va, Georges? Hare Krishna. Hare Krishna. Je voulais poser cette question dans la façon que, par exemple, le viande. Ce sont des aliments ou des nourritures qui sont interdites pour nous. Il empêche de quoi notre âme d'évoluer si ça ne touche pas notre âme. Si quand on tue un animal, dedans, l'avion, il y a des pieurs et tout ça, non, il ne touche pas notre âme. Il sort dans quelque chose pour nous. C'est ça, les liens entre nourriture et... Je crois que j'ai compris la question de Georges. En fait, Georges voulait savoir si la nourriture, c'est une chose matérielle, et que nous, on est l'âme qui sont spirituelles, comment la nourriture peut influencer l'âme, si c'est deux plateformes différentes. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Notre corps...
notre corps dans le monde matériel, le corps grossier, est appelé Anna, Anna Maya Kosha. Le corps grossier s'appelle Anna Maya Kosha. Anna veut dire la nourriture. Ça veut dire notre corps est composé de la nourriture. C'est pour ça qu'on dit Anna Maya Kosha. C'est-à-dire c'est le corps composé par la nourriture. Donc, si les changements dans notre corps influencent l'âme, donc automatiquement, la nourriture influence l'âme aussi. Pourquoi ? Parce que l'âme est attachée à ce corps grossier. Okay ? Si l'âme est attachée à ce corps grossier qui est composé de nourriture, donc la nourriture influence directement l'âme. Mais quand l'âme n'est pas attachée à ce corps matériel, donc il n'est pas attaché non plus à la nourriture. Est-ce que c'est compréhensible, Georges? Oui, merci. Avec Christophe. Tu peux passer le micro. Merci beaucoup pour la classe. J'ai une question sur la consommation d'eau. Mmh. Est-ce qu'il y a des règles? Parce que très souvent, on entend, oui, il faut boire 1,5 litre, 2 litres. Mmh. Ou bien, faut-il s'imposer ou juste s'appuyer sur sa propre sensation? Mais on a entendu que pendant la grande chaleur, les personnes âgées ne buvaient pas assez, il y avait beaucoup de problèmes, d'autre part. Et puis, dans la journée, est-ce qu'il y a des conseils de la consommation? Donc, est-ce qu'on consomme avant manger, après manger, etc. Merci. En fait, nous devons apprendre à boire l'eau. Tout ce genre de conseils, par exemple, l'on doit absolument boire 1,5 litre d'eau par jour, et on voit les gens avec leur gourde, avec une bouteille, clouc, clouc, chaque 5 minutes, ils boivent. En fait, ils enregistrent un nouveau réflexe. Et si tu, par exemple, chaque fois, si tu touches l'eau avec ta langue, chaque 5 minutes, ça devient un réflexe et tu ne peux pas t'en passer. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme les cigarettes ou autre chose. Tu crées une dépendance de ce goût, de ce geste. Mais nous ne devons pas écouter ni les scientifiques pour cette question, ni les commerçants, parce que les commerçants, avant, ils disaient 500 millilitres. Après, ils ont passé à 1 litre. Après, ils ont fait des bouteilles plus grandes, 1,5 litre. Maintenant, on entend plus en plus que l'homme doit boire 2 litres par jour. Et surtout, et viande. Donc, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, la consommation d'eau dépend de lieu, dépend des circonstances. Il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'on a mangé quelque chose salé ou sucré? Est-ce qu'on a mangé quelque chose qui est juteux ou pas juteux? Par exemple, imaginez que le matin, vous vous êtes levé, vous avez bu 1 litre d'eau, comme certains le font. Et certains disent, en plus, l'eau chaude avec 2 citrons dedans. Ils ne prennent pas en compte ni leur nature, ni le lieu, ni circonstances. Et après, un mois après, ils ont tous l'ulcère d'estomac. Mais imaginez que votre petit déjeuner contient, par exemple, une orange, par exemple, okay. Une petite grappe de raisin, un petit pot de yaourt, okay. Et un petit bout de tarte.
Vous n'avez pas besoin de boire de l'eau parce que c'est juteux. Il y a beaucoup d'eau dans votre repas. Okay? Mais imaginez que votre repas était trop salé. Bien sûr que vous aurez besoin de supprimer le surplus de sel. Pourquoi quand on mange salé, on a besoin de boire l'eau? Parce que le corps a un programme. Il a dit, il y a un surplus de sel. Bois pour éliminer le surplus. Quand on mange trop de sucre, le système s'enclenche et dit, bois pour éliminer le surplus. Le surplus de sel, le surplus de sucre, le surplus de l'épice, le surplus de l'huile, etc., etc. Parce que l'eau, en fait, enlève les surplus. C'est pour ça qu'on a envie de boire quand on a mangé salé, sucré, ou quand c'est sec. Par exemple, la nourriture est sec. Par exemple, vous avez mangé un paquet de chips sans bois. OK? Le programme d'estomac ou de notre corps dit il faut ajouter de l'eau parce que sinon, on ne peut pas assimiler ces chips parce que ces chips commencent à imbiber en fait les liquides de notre estomac et de notre intestin et c'est pas suffisant. Vous comprenez? Pour que les réactions biologiques et chimiques se passent correctement, il n'y a pas assez de l'eau. Donc, si on prend pas en compte ça et on fait mécaniquement, bon, je peux pas dormir. Pourquoi? Parce que j'ai encore 700 millilitres à boire. Attends, je vais les finir pour aller dormir. C'est n'importe quoi. Il faut suivre, en fait, quand notre corps, il est propre, automatiquement, il nous signale on a besoin de l'eau, on n'a pas besoin de l'eau. Mais on doit aussi prendre certaines règles. Par exemple, vous avez mangé les chips et vous avez fini, OK? Et le corps réclame de l'eau. Vous ne pouvez pas tout de suite boire. Pourquoi? Parce que les chips sont restés en bas de l'estomac et l'eau va continuer à flotter au-dessus. OK? Et quand l'eau est au-dessus, ça éteint le feu d'estomac. En fait, la digestion est éteinte. Comprends? La digestion est éteinte pour certains. C'est pour ça qu'il est déconseillé de boire de l'eau pendant le repas. Si le repas est normal, on n'a pas besoin de boire de l'eau. Mais si le repas est salé, sucré, trop sec, etc., nous pouvons le mélanger avec l'eau doucement en introduisant, pendant le repas, introduisant les petits gorgées pour mouiller un peu la nourriture. Okay? Mais si on introduit d'un seul coup une grande quantité, même pendant le repas, en fait, on va manger quelque chose, l'eau va revenir dessus. On va remanger quelque chose, l'eau va surmonter. Toujours, on aura l'eau au-dessus et en fait, ça va empêcher de digérer en fait, ce qu'on a mangé. Et en fait, des fois, il y a des renvois comme ça. Et par le renvoi, si vous êtes expert, vous pouvez sentir il n'y a pas de feu du tout. Par le renvoi, par la qualité de sucre qui remonte, tout de suite, vous comprenez qu'il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de feu. Et des fois, c'est le contraire. On a des renvois pleins de feu et ça brûle la gorge. Okay. Donc, pour cela, il faut prendre lieu, circonstances, etc., etc. Mais il est déconseillé finir le repas avec de l'eau. Et boire trop de l'eau au départ aussi, c'est déconseillé. Vous pouvez boire un peu, mais quand vous buvez trop, en fait, ça dilue le sucre gastrique et il devient faible. Il devient faible et il n'arrive pas à digérer la dose n'est pas forte parce que c'est dilué avec l'eau. En fait, acide chlorhydrique, hein, c'est fort à un certain pourcentage. Puis dilué, ça n'a aucun effet après. Je vous remercie. Il y a encore une question sur le même thème.
pendant les cas d'échis, est-ce qu'il est conseillé de consommer l'eau ou, parce que pour moi, par exemple, c'est presque égal, je peux boire, je peux ne pas boire, ça me fait rien. En fait, c'est, il faut voir la personne parce que quand il y a les cas d'échis, ceux qui peuvent le respecter sec, en fait, les kadashi traditionnels, il est sec. Mais il inclut aussi la veille dans la nuit. Ça veut dire que tu ne dors pas dans la nuit et tu chantes, tu lis, tu pries toute la nuit. Et donc, ça veut dire la journée, parce que les kadashi commencent le matin et ça inclut la nuit et on sort de les kadashi du jeûne le lendemain matin. Donc on veille en fait toute la journée plus la nuit. Ça c'est les kadashi classiques. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent juste faire un jeûne sec juste et dormir la nuit. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent boire de l'eau. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent, je ne sais pas, manger des fruits. Ceux qui ne peuvent pas que des fruits et de l'eau, ils peuvent manger des produits laitiers. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent manger fruits, légumes, produits laitiers, des pommes de terre. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent ajouter du grechka, d'amarante, etc. Ceux qui ne peuvent pas, etc., etc. C'est très personnel, donc on ne peut pas forcer quelqu'un à faire un jeûne. Hein. Même le jour de Janmashtami, où c'est l'anniversaire de Krishna, c'est la journée la plus importante, le jeûne le plus important. Même ce jour-là, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est chaque personne, selon sa foi, selon la capacité de son corps, il doit le faire. En fait, l'idée de jeûne, c'est pour qu'on puisse nous engager d'une meilleure façon dans le service dévotionnel. Si on va faire un jeûne sec et on va rester comme quand on appelle c'est kadashi, ne me touchez pas, c'est kadashi. C'est mieux de manger un sandwich et aller faire un service que c'est inutile. Dans la prière de Bhaktivinoda Thakur, oui. il dit que la langue, en fait, si on arrive à contrôler la langue, c'est le plus difficile à contrôler. Mais si on arrive à le contrôler, on peut contrôler les autres sens. Et pourquoi en fait c'est la langue en particulier qui influence les autres sens? En fait, la langue, si vous regardez, il se trouve sur l'axe de symétrie de notre corps. En fait, et tous les sens à contrôler, les sens principaux, se trouvent sur cet axe de symétrie. Et celui qui n'arrive pas à contrôler la langue, il n'arrivera pas à contrôler ni sa respiration, ni l'expression de soi, ni le concept de la conscience Krishna, ni le feu d'estomac, ni de nourriture avalée, ni son désir sexuel, ni en fait les besoins d'aller aux toilettes, etc., etc. Tout dépend de la langue. Par exemple, quand on dit que l'anus fait partie de nos sens. N'est-ce pas? On dit, ok, mais pourquoi il est sens? Quel plaisir on peut avoir à travers l'anus? Chaque fois quand on va aux toilettes et on évacue en fait nos selles, l'anus nous procure un soulagement, un bonheur. N'est-ce pas? Ceux qui sont constipés souvent, ils peuvent apprécier mes paroles. Donc,
Mais en fait, celui qui ne contrôle pas la langue, en fait, il ne peut plus contrôler l'anus. Par exemple, imaginez que je n'arrive pas à contrôler ma langue et je ne mange que des chips, des croquettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, des biscuits, des cookies, des trucs comme ça, et je suis tout le temps constipé. Okay? Et ça me fait souffrir. Hein? Vous voyez, pourquoi ? Parce que je ne contrôle pas ma langue. Vous voyez ? Pareil, si je ne contrôle pas ma langue, parce que quand on dit la langue, ce n'est pas seulement la nourriture, mais aussi la parole. Quand je parle non-stop, blablabla, blablabla, quand je mange tout le temps, en fait, j'excite ma langue sur deux sens, et au niveau de goût et au niveau de parole. Et cela excite mon mental, parce que la langue est liée à, en fait, les sens, ils sont tous liés entre eux. Et surtout, ils sont liés tous à notre mental. Et chaque fois quand il y a un goût introduit dans la bouche ou une parole qui sort de notre bouche, tout de suite, le mental est excité. Par exemple, si vous dites maintenant quelque chose que vous gardez secret toute votre vie, vous dites tout de suite, votre mental sera excité, tout de suite. Par exemple, c'est vous qui ont tué Kennedy, mais personne ne sait, et là, maintenant, vous devez avouer et vous sortez et dites, bon, finalement, c'est moi qui ai tué Kennedy. À ce moment-là, votre mental sera tout de suite excité. Mais vous n'avez rien mangé. Mais en fait, le fait de le prononcer quelque chose, tout de suite, ça amène une agitation mentale. Okay? Ou quand vous êtes en train de mentir, même si vous mentez bien, quand vous êtes en train de mentir, le mental devient excité. Ou quand on est en colère, on commence à dire des choses, etc. Quand on injure quelqu'un, à ce moment-là, le mental est excité aussi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la langue, c'est une porte, en fait, la bouche, la langue, c'est une porte, en fait, qui doit être réduite par la... concernant la nourriture et concernant les paroles. Surtout, en fait, quand on excite le mental, on excite aussi nos sens sexuels. Tout de suite, c'est un lien direct, en fait. Et quand on ne les satisfait pas, nos génitaux, qu'est-ce qu'on fait ? On se venge sur la nourriture. Ou sur la parole. On appelle quelqu'un et pendant 2h30, on parle. C'est aussi une forme de relation sexuelle. Et si vous voyez quelqu'un qui vous agresse comme ça, ne rentrez pas dans cette relation avec lui. Vous dites, OK, je vous rappelle après. Ou arrêtez, vous dites, OK, c'est bon, j'ai compris. Ne laissez pas la personne, parce qu'il va vous transmettre cette excitation. OK, Hare Krishna, merci beaucoup. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.